fait très beau aujourd'hui. Allons voir comment Pororo et Krong en profitent. Il était une fois dans une forêt profonde et impénétrable. Krong, sois un peu plus sage, s'il te plaît. Et aussi, joue de ce côté-là. Les livres, c'est pour lire. Ils ne sont pas faits pour qu'on joue avec. Un jour, la famille ours sortit faire une promenade dans la forêt, mais... Oh là là, Krong, tu ne peux pas rester sage. Un jour, la famille ours sortit faire une promenade dans la forêt, mais alors le... Krong, tiens-toi tranquille. Oh, tant pis, je t'avais prévenu, Krong. Un jour, la famille ours sortit faire une promenade dans la forêt, mais alors... Un jour, la famille ours sortit faire une promenade dans la forêt, mais alors là... Oh non! Pororo et Krong sont encore en train de se battre. Pourquoi vous restez enfermés? Vous devriez sortir. Je crois que Krong vient. Loupi, tu l'as entendu aussi? Pororo, je l'ai entendu. Krong, je te tiens. Attends, Pororo. J'ai l'impression que Krong vient de dire quelque chose. Quoi? Moi non, c'est impossible. Moi aussi, je l'ai entendu. Est-ce que vous l'avez entendu? Oui. Moi aussi. Vraiment? Alors, Krong, répète-moi ce que tu viens juste de dire. Quel est mon nom? Il sait vraiment parler maintenant. Ce n'est que le début, Krong. Dis-moi comment ça s'appelle. Bal. Et ça, qu'est-ce que c'est? Si tu me réponds, Krong, tu pourras le prendre. Livre. Tiens. Krong commence à apprendre à parler. Krong. Félicitations, Krong.